pas là. Bah non! Qu'est-ce qui fait plaisir celui-là? Tu l'as, tu l'as! Qu'est-ce que j'ai? Monte vite, il t'attend! Ah, pardon! Punaise! Peur! Salut! Pareil, tac, tac, dans le bon. C'est eux qui font le plus mal, quoi. T'as la moitié de ta vie. Qu'est-ce que c'est fort? Amélioration. Okay. On va abuser de cette technique. Je vais y arriver. Là, easy peasy.
T'as bien dormi là. Là on est pas mal. Là, il y a quoi? C'est joli le haut. Et... Voilà. Quand même. Je peux pas aller. Il y a quelque chose à faire. J'ai vu mon père, Dame Irma. Il m'a dit quelque chose d'important à propos de nous. Il a dit que nous étions sœurs, d'une certaine manière. As-tu le sentiment que nous le sommes? Pour tout te dire, oui, j'ai toujours eu cette sensation. C'est formidable, je suis si heureuse, souris. Tu es très gentil, ma tendre Irma. Tu effaces mes souvenirs, les souvenirs les plus horribles. Pas de quoi parles-tu? J'ai l'impression que c'est la fin, ma dernière enveloppe. C'est plus difficile à chaque fois, comme s'il n'y avait qu'une partie de moi qui revenait. Même si je reviens, je serai différente, rupturée pour toujours, au pire. Je ne veux pas changer, je me suis trop habitué à ce que je suis. Surtout pour t'aider, ma sœur. Rien du tout reste à mes côtés tant que je suis là. Nous verrons la fin ensemble. Me tuer. Aïe. Et santé, santé.
Ciao. Là. Ouais. Une 23 000. On va aller voir le roi. On va lui donner 15 000. J'ai encore faim, mais je vais parler à présent. Donc, le sculpteur a créé son escouade d'assassins, vous, les soi-disant immaculés. Il a trouvé de jeunes nobles qui avaient survécu à la guerre, il a choisi la matière première idéale, des morveux violents qui n'avaient plus rien à perdre. Il t'a choisi toi, Irma. Viens en paix, Drahan. Zoran a réalisé des moules à partir de 4 enfants. Elle a fait des copies parfaites. Je ne croyais plus que les Argiliens puissent être sains d'esprit, mais je ne contrôlais plus la charogne. Mais je dois avouer que pour des gamins, vous étiez plutôt doués pour masser. Véritable machine à tuer sans sculpture, sans scrupule pour vos semblables. Loyauté indéfectible n'appartenait qu'au sculpteur, alors que c'était à moi que vous aviez prêté serment d'allégeance. Et puis, les reflets. Toi, Drahan. Et les rasoirs. Tu m'as tué, Irma Larousse, c'était toi. Et je t'ai vu me trancher la gorge. Je ne suis pas Irma Larousse, Drahan, je suis grise. J'ai été créé une cible pour les attaques, le roi, mais j'ai survécu. Vous avez perdu, vous êtes tous perdus. Voilà les amis. J'allais là et après je vous saute, je pense. Et on continue. Et on a pu. Enlève la chaise, s'il te plaît. Merci. Pas de soucis. Hé hey Vladislava, tu es venu. L'attente a été longue, ma sœur. Ah, à présent je me souviens de tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Je me souviens de ce sourire, celui d'une bête plongeant ses mâchoires dans mes entrailles. Tu as pris du plaisir à rupturer ton moule cette nuit-là, n'est-ce pas? À détruire quelqu'un qui n'avait pas tes imperfections, quelqu'un qui était meilleur que toi. Avec un moule rupturé, tu aurais eu l'air moins parfaite, moins humaine. Et rien de toi à présent. Tu m'as pris celle qui t'a fait le don de ta vie. C'est le sculpteur qui m'a créé, pas toi. Oui, c'est vrai. Tu étais son chef-d'œuvre, son jeu préféré. Le hier a fabriqué un bel outil, certes, mais c'est moi qui ai su le mieux m'en servir. J'ai prétendu te guider. Te guider. Sommet de Chokran à Laios, tu as tué tous mes ennemis, ceux dont je devais me débarrasser. Il y a encore un ennemi qui se dresse entre Zoran et moi, toi. Pour une fois, arrête de japper et essaye de mordre. C'est parti. Ah, on va être parti. Bye.
sûr qu'il y a moyen. Arrête! Ah. Ok. Lance. Allez, les ganglions qui passent. Miroir. Oh, le raccourci. Yeah. T'en fais pas, chaton gris. Je n'ai plus faim, je me sens un peu mieux. Je vais trouver la porte, mais avant cela, l'ombre est venue ici. Tu sais, la rousse. J'ai réussi à lui floquer deux ou trois balafres. Cette humaine stupide a osé s'en prendre un chat. Cette douleur. Yeah. Trophée obtenu. Ramori Dature. Hey! Ma douce Irma. De quoi tu as besoin, tout ça? Tu es en danger? Pitié, je ne veux pas te faire de mal. Je n'ai pas oublié ta bonté. Dans ces grottes, j'ai trouvé ta liberté et un cadeau inimaginable. J'étais immensément apprécié. Même si cela n'a pas duré, j'ai vite été tourmenté. J'ai le sentiment d'avoir une dette. Les êtres libres choisissent les dettes dont ils s'acquittent, j'ai donc choisi la mienne. Veux-tu en venir au fait? Je t'aiderai sur le champ de bataille, même si ça doit être mon dernier combat. Mais connaître Jésus le monde de sa mort, tel est le privilège des êtres libres. Dans ce cas, je te dis au revoir. Et merci tant que je le peux. Lors de nos prochaines rencontres, nous n'aurons pas le temps d'enchaîner des paroles réconfortantes. Aid from yourself. Trophée or obtenu. Et moi, j'apprécie ce genre de choses. Point de non-retour. Ah. Attendez! De toute façon, on va pas faire grand chose encore. Je sais que j'ai plein de boucles, etc. Mais les amis, je crois qu'il est temps d'aller au bout de l'histoire. Allons-y! Allez! C'est parti. Allons-y. Te voilà, parfait. Où est le sculpteur? Il est trop tard, face de glaise. La lune s'est emparée du sommet et l'a obligé à se cacher. Quant à moi, je lui ai prêté serment d'allégeance. Je ne laisserai pas le sculpteur mettre la main sur le réceptacle. Je n'ai qu'à te le prendre. Les choses les plus grandioses se cachent à la vue de tous. Le réceptacle absolu, c'est toi. Je savais depuis le départ. Depuis le départ, comment est-ce possible? Grâce à Zoran, bien entendu. Absolue, immaculée, peu importe, tu es la seule dont le ganglion ne soit pas fracturé dans le fourneau. Il était convaincu que le réceptacle se trouverait dans son escouade d'Argélienne. Seulement, il n'était pas sûr de l'identité de celui ou celle qui avait reçu ce don. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, et comme vous étiez tous très coriaces,
Je vous ai retourné les uns contre les autres, en inondant vos ganglions de malveillance, et c'est tout, c'était aussi simple que ça. Très vite, tu t'es brisé, comme un bol précieux tombant sur des pierres. Ensuite, ce sont le désespoir et la colère qui ont recollé les morceaux. Ça, que tu m'as rupturé, j'étais la chose dont il avait besoin. Pas tout de même pas que j'ai haché par simple jalousie, j'espère. Il rejoint les Immaculés, ce n'était pas pour la communion ou quelques autres délubis de Zoran. Je voulais détruire les vermines qui avaient tout ravagé autour de moi, qui avaient détruit mon monde. Ta place est parmi les cadavres de ces misérables, ma sœur. Tu es moins banal qu'eux, mais tout aussi nuisible. Ce n'est pas ta dernière parole? Je comprends en prison. Si les liens sont rupturés, c'est pour une bonne raison. Nous avons hérité cela de vous, des humains. Mais contrairement à vous, nous avons le courage d'avancer sur la voie de la dévastation. Allez, c'est parti. Oh, double. La rouge. On va abuser. Ah. Je suis mort. Bon, je tiens bon malgré tout. Oula, le truc rouge, c'est pas bon. Oh, est-ce que j'ai raté? Oh, joli ça. On tient bon, hein. Un peu brouillon le combat, mais... Allez, bim, ça dégage. Je ne vais pas te laisser le remporter. Espèce de voleuse abjecte, je vais arracher ce qui m'appartient de ton corps. C'était sûr que... Hop là! Ah oui, d'accord, bon. Pourquoi pas? Ça va. Moon. Très bien obtenu. Direct que tes gros sont aussi...
Zack et Cro sont aiguisés face de glace, l'un au guerre au compliment humaine. Humaine. Vous êtes la dernière humaine à contempler les cieux de ses yeux. Qu'a-t-il dans ton réceptacle? De quoi ce monde a-t-il hérité quand j'aurai poussé mon dernier soupir? Liberté, il est vide, et je peux le remplir. Ah, c'était si simple. Oh, j'hésite.